David, tu as participé au symposium de la SOFCOT en 2016 sur les prothèses inversées dans les fractures d'épaule. Tu t'es servi de cette expérience pour développer avec Nicolas et Jérôme la prothèse fracture ISA. Quels sont les points forts de cette prothèse? Alors tout à fait Christophe, j'ai eu la chance de co-diriger ce symposium avec Pascal Boileau et Philippe Valenti et sur un très grand nombre de patients puisque 898 patients ont été inclus, 420 revus, dont 120 avec un recul supérieur à 5 ans, ce qui nous a permis de ressortir des tendances statistiquement significatives sur notamment les tubérosités et la tige humérale fracture. Nous nous sommes donc servis de cette expérience du symposium pour développer la tige ISA fracture que vous voyez ici. Le point clé de l'intervention réside dans la réinsertion des tubérosités afin d'obtenir leur consolidation anatomique autour de cette métaphyse prothétique métallique. Et pour cela, il faut donc avoir une tige fracture dédiée, spécifique, qui va permettre de favoriser la consolidation des tubérosités. Donc le premier point qu'il faut respecter, c'est une tige qu'on appellera low profile, c'est-à-dire avec une métaphyse peu remplissante qui va permettre de préserver le capital osseux tubérositaire que l'on va venir réinsérer autour de la prothèse. Le deuxième point, il faut réaliser une fixation stable des tubérosités, idéalement par quatre fils boucles horizontaux et deux fils boucles verticaux qui vont lutter contre les forces de traction verticales. Et nous avons donc créé cette encoche à la partie médiale de la métaphyse prothétique qui va permettre de stabiliser les 8 fils de suture horizontaux afin d'éviter que ces fils ne passent entre la métaphyse prothétique et la glénosphère. Ensuite, une fois qu'on a réinséré stablement ces tubérosités, il va falloir qu'elles consolident sur la prothèse. Et c'est pour ça que la partie métaphysaire est revêtue d'hydroxyapatite. Et nous avons également rajouté une petite fenêtre métaphysaire dans laquelle va être incorporé un greffon osseux, car on sait dans la littérature que ça permet de favoriser la consolidation des tubérosités. Un ancillaire spécifique est prévu pour tailler le greffon exactement de la forme de la fenêtre prothétique. Et enfin, le dernier paramètre, peut-être le plus important et le plus difficile, c'est le réglage en hauteur de la tige humérale, puisqu'il n'y a plus de métaphyse, étant donné que nous sommes dans un cadre traumatique, et donc la hauteur est parfois difficile à retrouver. C'est pour cette raison que nous avons choisi une prothèse verrouillable qui va permettre, par un ancillaire de type clou d'ostéosynthèse, de pouvoir régler de façon personnalisable la hauteur de la prothèse en fonction de ce qu'on va estimer être la hauteur la plus proche de l'anatomie de notre patient.